quoi ça? C'est quoi ça? La dame blanche, les gars. C'est quoi ça? La dame blanche, les gars. La tête de ma mère, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Putain, venez, on se barre. Sortez. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Vas-y, bougez, les gars. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, petite caméra cachée de nouveau, donc assez spécial pour le soir d'Halloween. Donc voilà, à ma compagnie, Sofiane, Nico. Donc, salut. Voilà. Salut. Et une personne assez spéciale, la dame blanche. La nonne. Voilà, la nonne. Donc voilà, ce qui va se passer, on va aller récupérer Kevin à Orange. Donc voilà, il est pas au courant de ce qui va se passer. On lui a juste dit qu'on allait le récupérer, qu'on allait passer une petite soirée sympa, on allait faire un petit tour à Avignon. Mais ce qui se passe, c'est qu'on va faire un détour, on va passer par Sarian, les routes montagneuses, etc. Donc je vais lui faire croire que je dois retourner chez moi pour aller chercher un ballon de foot. On va croire qu'on va faire un foot ou un truc comme ça. On sait pas encore ce qu'on va inventer, mais je vais lui faire croire que je vais retourner chez moi. Et puis arriver sur la route de campagne qui est entre Sarian et Bédarine. Donc voilà, qui c'est qui va sortir de la route? La nonne. Donc on va voir sa réaction. Je pense que ça va être vraiment marrant, il va se chier dessus, Kevin a peur de tout ce qui est fantôme, etc. Donc ça va être marrant, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une partie 2, avec grand plaisir. J'espère que ça va vous plaire, je vous dis bonne vidéo, c'est parti. Donc voilà les amis, donc là on est sur les lieux, on est sur une petite route de campagne, entre Sarian et Bédarine. Donc nous on va arriver de cette direction ici en voiture, et quand on va passer, regardez ce qu'on va voir. La nonne ou la dame blanche, voilà. Et on va continuer jusqu'ici. Voilà, on va continuer, on va partir. Donc on va voir la réaction de Kevin, voir ce que ça va donner. Et puis franchement, entre nous les amis, quand vous voyez ça dans un virage, imaginez-vous, vous passez en voiture tranquillement, vous êtes avec vos parents et tout, et vous voyez ça dans un virage. Franchement, je vous dis, vous caguez dessus. Donc on va voir. Let's go, c'est parti, à de suite. Ok les amis, en direct avec Nico. Yes. Bon voilà, présent. Kevin derrière, on vient de le récupérer. Donc c'est Kevin qui va filmer, donc c'est parti. Pour les amis qui se demandent, c'est la route qui mène à chez moi, donc vous inquiétez pas. Donc voilà, là on rentre chez moi tranquillement, toujours avec Kevin, pépère. Quoi ça? La tête de ma mère, c'est quoi ce truc de fou? C'est quoi? Putain, venez, on se barre, sortez. Putain, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Vas-y, bougez. Tourne à droite. Accélère. C'est quoi ce truc de fou? Ah, c'est quoi ça? Baisse-toi. C'est quoi ce truc? Non, la Clio, frère. Moi? La Clio. Attends, j'arrive plus à respirer. Appelle les flics. Hein? Éteins. Mais non, frère. Non, éteins. Je suis un peu madorale. J'ai les images, de toute façon, je vais porter plainte. T'as la clé. Attends, on va aller chez quelqu'un. Vas-y, viens, go. On va aller chez quelqu'un, frère. C'était quoi ça? C'était la dame blanche? Eh, la vie de ma mère, j'ai flippé, frère. J'arrive plus à respirer. Attends. Oh, c'est un pied. Je vais appeler ma mère, je vais montrer la vidéo chez les filles. Les amis, je vous jure, écoutez-moi bien pour ceux qui m'entendent. Il vient de se passer un truc de fou, on vient de se faire voler la voiture. Donc il y a eu un genre de fantôme, ou un truc bizarre, ou une personne déguisée, je sais pas qui c'est, qui est montée dans la voiture. Donc franchement, j'ai failli faire un accident, le virage est prêt à 200. Alors, on s'est barré avec la voiture. Le mec, mais waouh. Franchement, l'effet qu'on voulait, l'effet désiré, il était là. J'ai eu un doute, je me suis dit non, il va quand même pas flipper autant, il va pas se barrer en courant. Mais putain, il est parti en courant, magnifique. Il a regardé derrière comme ça là, il a fait waouh, c'est quoi ce bordel? Il est parti en courant, il a bien flippé. Mais il a hésité, il m'a regardé. D'un coup, il a tracé en courant, il a suivi les autres. Franchement, on pensait pas, mais ouais, franchement, il a flippé et ça a marché du tonnerre quoi, ça a marché. Je crois que c'est le fantôme, frère. Finalement, c'est le fantôme.
Les amis, on vient de me voler la Clio. Donc voilà, tiens-moi le téléphone. C'est à quoi de se revoir? Ça veut quoi de se faire avoir alors, hein? Ah, il allait prendre un bâton et tout, hein. Il était déter. C'est toi qui m'as dit pas le bâton. Ah, il était chaud. Ah, tu m'as régalé. Ah, nickel. Je suis donné en plus. Ah, les amis, ça a marché, il était en pression. Ouais, voilà. Tu étais en pression, tu étais aussi, excuse-moi. Ah, moi j'ai joué un jeu d'acteur, frère. Oh putain, ah, son cœur il est à 200 à l'heure. Oh là là. Bon, les amis. Cette vidéo est déjà terminée, franchement c'était énorme la réaction de Kevin. Malheureusement j'ai pas pu filmer en entier sa réaction. Mais Kevin, vas-y ta petite réaction à la caméra, t'es ressenti, vas-y dis à peu près ce qui t'est passé par la tête quand t'as vu la non, la nonne, on va dire, on va plus à la nonne, ouais. Au début pas trop peur, après si. Ouais, après franchement il s'est chié dessus. Il a même essayé d'appeler les flics en moment, bon je l'ai empêché. Donc les amis, si vous voulez qu'on fasse une partie 2, cette fois-ci dans un hôtel ou un château abandonné, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à vous abonner, très important. Je remercie Sofiane et Margot Lanone. Voilà. On va t'appeler Margot Lanone maintenant. Nico derrière. Et puis voilà Kevin, j'espère que ça va, t'as pas été trop été choqué, non ça va. Je lui paye rien pour me faire pardonner. Les amis, prenez soin de vous, c'était Paris en direct. C'était Paris en direct d'une cabine téléphonique. Crédit à l'école. C'était Paris en direct du Crédit à l'école. Ciao ciao. Tchuss.